de soleil, un nouveau jour se lève. Au petit matin, je ne peux imaginer ce qui l'attend. Et dans un tourbillon de détresse, plusieurs épreuves se graissent. Car il y aura plein de mystères, de tristesse, de crâne, mais un manque d'amour. L'amour, ça vient et parfois ça repart. On ne sait si un jour et on le retrouvera. L'amour, c'est la plus belle des choses qui soit. Roméo? Ah, tu as pensé à moi? Ok, je vais décrocher. Non. C'est à ton tour de courir après moi. Oui, mon cher, c'est à ton tour. Combien? Deux mille pas. Bonjour, maman. Où est-ce que tu as passé la nuit? Depuis ces derniers temps, tu te permets trop de liberté dans cette maison. Tu sors comme tu veux, tu reviens quand tu veux. Tu es sorti en me disant que c'était juste pour 30 minutes. Toute la nuit, tu n'es pas joignable. Tu imagines dans quelle inquiétude tu m'as plongé? Je m'excuse, maman. Je n'ai pas vu le temps s'écouler. J'avais oublié mon téléphone. Tout était planifié. Je ne suis pas née de la dernière pluie, tu sais. Moi aussi, je suis passée par là. Maman, je sais que tu es fâchée, mais ça ne s'arrête peut-être pas comme ça. Dégage ma vue! Maman, tu me prends devant la borne. Dégage de là! Quand tu te comportes de façon irresponsable, tu voudrais qu'on te traite comment? Maintenant, le bail est fini. Là aussi, tu peux prendre pour celle-là.
Alors bébé, comment tu trouves notre soirée tiens? Je n'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment merveilleux, on a passé des moments, surtout avec des personnes qui nous sont chères. C'est comme ça que je veux que tu vives, que tu t'épanouisses auprès de moi. Mais auparavant, tu ne croyais pas notre amour. Non, pas ça. C'est juste qu'il nous fallait un peu de temps. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Mais après la pluie vient le beau temps. Je pense que c'est le cas chez moi. Après tant d'années de galère, parfois je me pose la question à savoir comment faire pour rendre celle qu'on aime heureuse. Pourtant la réponse est si proche. Il est bon de partager avec ceux qu'on aime, surtout de se retrouver en boîte pour savourer la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur mille fois pour cette nouvelle opportunité. Pourquoi tu ne veux pas que j'aille vivre avec toi depuis? Bébé. Oublie un peu notre passé et pensons plus à l'avenir. Ok? En parlant de l'avenir. Il faut que j'aille demain à l'hôpital pour les visites prénatales. Non, ne t'inquiète pas, j'ai quelques réserves d'argent. C'est super. Madame, je ne suis pas du tout satisfait du partage. Je ne peux pas passer tout mon temps à réfléchir, à faire des recherches pour des coups, et être humilié de la sorte. Vous vous plaignez de moi. Suprême, aujourd'hui je me plains de vous, parce que ça ne va pas. Moi aussi j'ai des responsabilités. Taisez-vous! C'est pas la première fois que vous boudez suite à un partage. Mais je vous rappelle une chose. Celui qui n'est pas content, dégage. C'est moi qui commande ici. Et je vous rappelle que si vous avez mis longtemps dans ce camp, c'est parce que vous êtes ponctuel au coup. Madame, prenez nos revendications au sérieux. Et surtout, n'oubliez pas que nos visas dépendent. Que vous nous utilisez plutôt. Quoi? Que ce soit la dernière fois que j'entends le mot utiliser. Très souvent, vous êtes surveillé par la police à cause de votre manque d'efficacité dans le travail. Pouvez-vous imaginer combien je négocie pour tel soupçon? Alors, si vous avez encore la foi, tenez-vous tranquille. Sinon, il ne me coûtera rien de vous bouger les cervelles. Excusez-nous, madame. Une telle scène se produira plus. Et toi, arrête de me tenir tête. Mon chéri, Roman, mon bébé, tu es où, chéri? Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais faire un repas exceptionnel aujourd'hui. Acceptes-tu de m'aider?
Chérie, je suis entièrement à ta disposition. Voici donc la liste du marché. Je vais te faire un bon plat de chenou aujourd'hui. N'est-ce pas? Bête! Merde! Merde! Oh merde! Madame me menace. Madame me menace. Mon Mais non. C'est pas possible. Chérie, tu es en pleine révision. Je me suis un peu laissée emporter ce matin. C'est juste que tu es ma seule fille, l'unique, dont tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu t'es déjà compris, maman. Et tu as parfaitement raison. Tu sais, toute maman s'inquiète pour sa fille ferait pareil. Je m'excuse de te déranger. Non, tu ne me déranges pas. Et tout le monde est pour travailler. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Je me suis senti humilié. En plus, une femme! Les gars, si vous voulez vous relier à moi, organisez un coup contre elle. Je suis partant. Non. Je ne vous encourage pas. Ayez le remords. Et n'oubliez surtout pas que plusieurs ont quitté le plancher parce qu'ils ont essayé de faire comme vous. Merde. Donc, soyez sages. Merde. En plus, sans elle, nous sommes bien. Elle reste. Et il restera notre lumière. Même si parfois, nous sommes insatisfaits. Myriam. Oui, maman. Quel erreur es-tu en train de commettre là? Mais maman, de quelle erreur tu parles? Ne trouves-tu pas que ton soi-disant ami n'est pas digne de toi? Comment sa dignité? En plus, il n'est même pas du même rang social que nous. Maman, le rang social n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour qui règne. Ne me parle pas d'amour de cette façon. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde par exemple le fils de Monsieur Toa. Il est du même rang social que nous. Et il s'intéresse beaucoup à toi. Il est même prêt à t'amener vivre avec lui aux États-Unis, où il réside actuellement. Écoute ma fille, je t'ai jamais trompée. J'essaie juste de faire mon devoir de mère. À ce que je sache, je t'ai jamais trompé. Je te prodigue toujours de bons conseils. Et devant le maire, quel bon conseil. Des conseils m'obligeant à m'engager avec un homme que je connais pas. Que je sais même pas si je peux l'aimer. Je pense que vous aviez raison. Elle reste notre sauveur. Et si n'oublions pas qu'elle nous a sortis dans plusieurs situations. Oh merde. Les gars, réfléchissez plutôt au prochain coup. Ok? Ok, c'est toujours toi qui as raison.
Myriam, c'est de ton avenir qu'il est question. Qu'est-ce que ce garçon-là peut bien t'apporter? Maman, le pouvoir de la richesse et le pouvoir de l'amour n'iront jamais ensemble. L'argent du fils de Monsieur Thomas ne pourra jamais me combler. Maman, j'ai besoin d'affection. J'ai besoin d'amour. Et seul aller me combler, c'est un. S'il te plaît, maman, comprends-moi. Ne me parle plus jamais de cette façon. Trouve un moyen pour m'obéir. Et ne me parle plus jamais d'amour. C'est impossible, maman. Je ne marcherai jamais selon cette pratique ancestrale. Viens ici. Je dis reviens. Ose m'offenser. Tu oses me défier. Je t'ai porté dans mon ventre et je t'ai mis au monde. Tant que tu portes le nom de ma fille, tu as l'obligation de m'obéir. Maman, avec tout le respect que je te dois, je vais te désobéir. Ma propre fille veut faire le bras de fer avec moi. Non. Je dis non. Je ne me laisserai pas faire de cette façon. Bonjour, tonton Raymond. Ah, Mélanie. Bonne arrivée. Tu devrais avoir honte, tonton. C'est que tu es plus fâché, Mélanie. Te faire de fausses promesses, ça va être parfois très insupportable pour moi. Tu sais, c'est très difficile de nous vivre. Si tu as fini ton discours, libère-moi. N'aie pas le temps à perdre. Oh, attends, voir. Laisse-moi passer. Allô? Oui, c'est Ali. À qui ai-je l'honneur? C'est Bertite. Bertite.
ne connais plus ma voix. Hein. Ta préférée. Oh, la maman de Myriam. Oh. Apparemment, ma voix ne te dit rien. Ah non, 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 non. Comment pouvez-vous dire ça? C'est juste que j'étais distrait. Comment as-tu passé la nuit? Bien. T'as rêvé de nous deux? Non. C'est pas grave. J'ai besoin de te voir. Peux-tu me permettre? Comment? On pouvait se retrouver dans un hôtel où on sera un peu plus tranquille. Qu'en penses-tu? Je vais voir. Ok. Tu as mon numéro. Dès que tu finis de réfléchir, tu m'appelles. Ah, je ne manquerai pas. Merci déjà de m'avoir donné l'occasion de te parler. C'est la moindre des choses. D'accord, j'attends ton coup de fil. A plus. Bonne journée. Laisse-moi. Bon, voilà 50 000 francs. Tu prends la première tranche. Le reste, on verra au cours de l'année. Tonton, tu sais, tu ne manques pas de moyens. C'est le manque de volonté ajouté à ça, ta sorcière de femme. Mélanie, voilà ce que je n'aime pas. Tu appelles encore ma femme sorcière, je te réunis. Le coup n'a pas commencé, puis tu me mets la pression à ce point. Au revoir, tonton. Je te prends bien soin de toi. Au revoir. Maman. Hey, Saro. Petit matin, je ne peux imaginer ce qui l'attend. Et dans un tourbillon de détresse, plusieurs épreuves se graissent. Car il y aura plein de mystères, de tristesse, de grâce, mais un manque d'amour. L'amour, ça vient et parfois ça repart. On ne sait si un jour et on le retrouvera. Mais que faire lorsque l'on fait face à ce genre de situation? Comment peux-tu imaginer que les seules personnes que t'aimes veulent te faire souffrir? Car ils se croient supérieurs à toi. Dans cette histoire, il y aura plein de rencontres, de trahisons, de passions, de déceptions. Et plein d'actions, de suspense et de drame, quel qu'en soit ta persécution. Un jour, tu trouveras des solutions, crois en Zaza, tu vivras. Et chers parents, qui vous a dit que les conjoints de vos enfants étaient faits pour vous? Sachez que votre temps est passé, laissez-nous avancer. Et à chaque